Nous sommes de retour au stade Félix Mayol de Toulon. Toulon qui mène à la pause 19 à 6 face à Castres. Beaucoup de problèmes pour les Castrais qui ont payé très cher ce carton jaune de Steve Malonga. Les Castrais qui reviennent sur la pelouse de Bagnol et qui vont discuter encore quelques minutes à 14. Là, l'ambition, c'est de serrer les rangs, serrer les coups. Oui, faire le dos rond. Bon, le problème pour eux, c'est qu'ils ont concédé énormément de points en première période sur des ballons relâchés. Ils ont une conservation qui a été très mauvaise. Et en plus de ça, ils ont été dominés, on l'a dit, on l'a répété durant toute cette période, cette première période, pardon, sur un secteur fondamental en rugby dans la conquête, c'est celui de la mêlée. La mêlée pose problème, la mêlée pose problème au Castré, à Benjamin Kaiser. Le numéro 3, souvent sanctionné, c'est Danny Seyman. Il a été remplacé peu avant la pause par le numéro 17, Mickaël Kötze. Vous venez d'apercevoir Kefou, qui a été d'un carton rouge il y a quelques jours, mais c'était à Brive. Kefou toujours suspendu et qui assiste depuis la tribune à cette rencontre au moment où les Toulonnais regagnent la pelouse. Robin Weber, les derniers mots à ces hommes, la petite tape amicale pour Fernandez Lobé, pour tous les joueurs, pour Johnny Wilkinson, sous l'œil attentif de Mourad Boudjelal. Yes, thank you. La petite musique en trompette que vous entendez, c'est God Save the Queen. On connaît par les supporters anglais présents dans les tribunes du stade Mayol. La nostalgie sûrement pour Paul Saquet, qui n'est pas sur la feuille de match ce soir. L'intégration est difficile pour l'ailier anglais passé par les Wasps. Alors, si on veut voir un match, il faut juste un petit ballon, ça serait bien. Voilà. La deuxième période de ce match entre Toulon et Castres. 13 points de retard pour Cameron McIntyre et les Castrés sous l'œil de Franck Tournaire. Le coup d'envoi est donné en très haut. Il va filer directement en touche. Une faute de plus pour démarrer cette deuxième période. Oui, on va attaquer sur une mêlée. Pas faire plaisir aux avants là. Ce coup de pied de renvoi raté et trop long de McIntyre. Gotta stay on the outside of him, please. On the outside of him. Thank you. Tous pour travers. Rappel doucement le panier gauche. Yeah. Toulonnais, Tomé Opo. Le commandement de Mignoni, le commandement de Monsieur Small. Crouch. Il faut suivre un Rory Lamont. Touch. Sur le côté droit. Sur le haut de votre écran. On a devancé l'entrée côté Castré en avant. Passiflé de Fernandez Lobé, c'était avec le pied. Ballon perdu par les Toulonnais, il n'y a pas d'avantage pour les Castrés. Knock on by Black, scrum, white. Il a joué vite, Fernandez Lobé, ce bras cassé, il commet dans l'avant, on va le voir. Là, c'est le deuxième qui était sanctionné par M. Small. Avec un gros plaquage encore une fois sur Wilkinson. Allez, on va passer par la case mêlée, la production Thomas Sanchou pour le Castres Olympique. Il reste sur un bilan équilibré, 4 victoires, 4 défaites en 8 journées, mais pas encore à plein régime. Il a bien du mal, Kötze, il a bien du mal. Les Castrés sont à 7 en mêlée. C'est joué rapidement par Técori. Técori, la percussion du puissant numéro 8 Castré. Ballon libéré avec Sanchou qui dynamise. On va retrouver Kaiser qui a mis sur les fesses Johnny Wilkinson. Ça c'est pas évident parce que c'est un gros défenseur Wilkinson. Côté Pomi, lui aussi est là. Mais ils ont quand même du mal malgré tout à avancer les Castrés, ce qui fait que les Toulonnais sont très efficaces en défense parce qu'ils montent chercher leurs adversaires. Et ça oblige les Castrés, McIntyre a utilisé le pied pour récupérer de la profondeur. Est-ce que le rebond sera favorable aux Castrés? Non. Il a du sang-froid à Thierry Brana. Il a accompagné le ballon en but, 22 mètres pour Toulon. Attention, attention à Johnny Wilkinson, la longue passe vissée pour Reddy Wolf qui va se raviser. Une petite minute à tenir encore à 14 contre 15 côté Castrés. Ensuite, Malonga reviendra sur la pelouse. Gauche.
grosse cravate sur Alexis Palisson. Match entre Brive et Toulon. Il a été contré en avant de Chris Mazoé. Le fameux ballon où c'est marqué attention de ne pas me passer en avant. Et j'allais dire, on n'a pas la statistique des en avant castrés, mais il y en a eu énormément. Après 43 minutes de jeu. Time on. En termes de stade, vous pouvez appeler Jean-Pierre Elissa. Vous avez vu pendant les spécialistes mardi dernier, il y avait tout un wagon de stade. Crouch. Ouais, qui a créé un réseau de communication. Frasbrook. On salue Jean-Pierre qui va devant sa télé. Attention à la longue passe sautée avec le petit par-dessus la corde pour Tétonne et un peu de réussite pour l'Argentin. Finalement, ce ballon récupéré à une main par Técori. Perdu ensuite. La diagonale de Cameron McIntyre, de la patience, revenir tranquillement dans la moitié de terrain de Toulon. C'est ce que tente de faire le Néo-Zélandais. Mais le ballon est rentré dans les 22 mètres, il va prendre tout son temps pour aplatir la menthe. Manque un peu d'efficacité aussi des casserelles, ils mettent plus de pieds, mais malheureusement pour eux, ils ne trouvent pas les bons angles, ce qui fait qu'ils rendent le ballon au Toulonnais avec ses deux renvois au 22 à consécutif. Il y a eu 7 en avant de chaque côté, hein. Pour l'instant, statu quo. C'est vrai qu'on. Dans leur temps fort, les castrés semblent battus. Interception manquée par Benjamin Kayser. Ça profite à Johnny Wilkinson. Le crochet de l'international anglais plaqué. Relétoile de Van Nicker. Le ballon qui ressort avec Mignoni, avec Messina. Qui a passé les bras à l'amende. Trié par Kayser. Ballon récupéré par l'ancien talonneur du stade français. Kudzé. Percussion de Técori qui est tombé sur Karleman. Maintenant dans la ligne, on a trouvé encore du soutien, c'est Chris Mazoé qui s'est proposé, ballon libéré. Position de hors-jeu effectivement des Toulonnais et le deuxième ligne numéro 4, Souta. Et si on prenait les points? Il faut prendre les points, bien sûr. Si Jérôme Collin, c'est ce qu'il fait, j'en suis sûr, contre les turnovers, il va avoir mal au poignet. Hein. Oui, mais même sur la statistique des en avant, c'est moins parlant parce que il y a des en avant qui ont été pris en compte côté Toulonnais qui ont eu lieu après des récupérations suite déjà à des en avant castrés. Non, et c'est pour ça qu'ils ont eu beaucoup moins d'incidence sur le jeu côté Toulonnais. Voilà, à peine des turnovers négatifs. Touché à la cheville, Romain Tellet. Ça tombe plutôt mal parce que c'est lui le buteur de cette équipe castraise. Les castrés qui vont donc se remettre à Seremayaba et 45 minutes de jeu dans cette deuxième période. 13 points de retard pour Castres. Première tentative pour Baye. Ça passe. Ça va passer, Thomas, soyez patient. C'est fait très bien. Ça passe, regardez. C'est... Alors, dans la mise en place, c'est beaucoup moins méticuleux que Telet, mais c'est tout aussi efficace. C'est le coup de pied à la Fidjel. 10 points de retard maintenant pour les castrés, toujours en course pour le bonus défensif. Geoffroy Messina est en place avec le numéro 12. Il a oublié le bandeau de pirate, le bandeau de corsaire. Il se prépare pour ce renvoi de Johnny Wilkinson. Renvoi très haut dans les 22 mètres, ce ballon récupéré. Deux volées par Chris Mazoé, percussion sur Chesney. Il faut qu'il sorte Chesney dans la zone de plaquage. Alors, il est bloqué au sol par un castré, c'est ce qu'a indiqué M. Small. Voilà pourquoi Chesney n'est pas sanctionné. Oui, enfin tout à l'heure, c'était Malanga, il était lui aussi bloqué, il a été pénalisé. Chandelle de McIntyre, et puis ses 22 mètres, l'amende à la récupération, c'est fait par l'Écossais. Il a vu un espace, il va s'engouffrer. Il a échappé à Técori. Il a bien fait. Ballon éjecté par Mignoni. Dans la ligne, Wilkinson, Comté-Pomi, revient à l'intérieur, en ballon brillant en route, en arrière, signale le Small. Et là, de maintenant, en relais. Et la défense castresse très bien organisée sur la largeur. Qui oblige Comté-Pomi à reprendre l'intérieur. Bah, et dès que les ballons sont les libérations lentes, les castrés sont bien en place. Attention au placage manqué quand même. C'est dans le cœur, Suta.